C'est demain que débute le bac 2016 par la mythique épreuve de philosophie. Comment réussir cette discipline si redoutée? Le reportage d'Isabelle Amo et de Moïse Dexter. Et puis vous écouterez également les souvenirs de ceux qui ont eu à subir l'épreuve. 600 euros, c'est la somme promise aux élèves décrocheurs qui accepteraient de revenir sur les bancs de l'école. Une incitation à 12,5 millions d'euros par an qui fait polémique. Les explications de Karen Diamant dans ce journal. Et pour mieux voir, on peut également chausser local. Coup de projecteur sur un artisan lunetier made in Guadeloupe. Il a osé créer des montures inspirées de la culture caribéenne. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Elle est surnommée l'épreuve reine, la philosophie. Donnera demain le coup d'envoi du baccalauréat. Une matière très redoutée par les élèves. Alors, quelles sont les meilleures recettes pour composer? Isabelle Amo et Moïse Dexter nous livrent les conseils avisés des professionnels. On regarde. La philo, une épreuve très redoutée pour la majorité des bacheliers. Mais pour cette lycéenne, aucune appréhension, mais plutôt un moyen d'obtenir un maximum de points. Pour moi, c'est un moyen d'avoir des points, surtout dans ma filière, c'est coefficient 4. Donc non, j'appréhende un petit peu plus les autres matières que la philosophie. Pour moi, c'est vraiment une bonne entrée en matière, quoi. Cette année, ce seront exactement 5891 candidats de l'Académie de la Guadeloupe qui vont plancher sur Platon, Descartes ou autres philosophes. Et comme le veut l'exercice, derrière tout sujet, il y a un débat philosophique à mener, mais surtout une méthodologie à appliquer. La première des choses concernant la dissertation, c'est que l'élève prenne le temps de comprendre ce qu'on lui demande, qu'il puisse analyser les termes du sujet à travers la question qui est posée, autrement dit, que signifie ce sujet, à quel type de débat il renvoie et comment, à partir de ce débat qui est proposé, qui est soulevé, comment moi, élève, je peux construire une réflexion, je peux élaborer une pensée, non pas simplement répéter du prêt-à-penser, non pas simplement réciter quelque chose, mais prendre le temps de construire une démarche réflexive. Et donc, ce qui suppose que l'élève puisse effectivement respecter un certain nombre de consignes fondamentales qu'il connaît, notamment introduire bien évidemment son sujet, une introduction dans laquelle l'élève explique le sens du sujet, expose le problème, l'enjeu qui est soulevé et indique bien évidemment quel est le plan, quelle est l'organisation nécessaire de manière à ce que ces idées puissent être ordonnées, orchestrées en vue d'une conclusion qui soit claire, précise, une conclusion qui précisément réponde au problème que le sujet aura soulevé. En clair, pas d'improvisation dans ce type d'exercice, mais des règles pour arriver à une pensée convaincante. La politique échappe-t-elle à l'exigence de la vérité ou encore suis-je ce que mon passé a fait de moi? Voici quelques sujets de philosophie proposés l'an passé aux candidats du baccalauréat général. Si quelques étudiants en gardent un bon souvenir, cette matière a été une véritable hantise pour d'autres. Et vous, quel souvenir gardez-vous de cet examen? Vos réactions au micro de Linda Kayarsi. C'était pas notre truc. Pas du tout. Voilà, non, pas du tout. Mais bon, on apprenait comme on pouvait. Mais c'est surtout beaucoup de philosophie personnelle parce qu'on ne peut pas juste se baser sur les philosophes. Il faut donner notre vision de la chose, du sujet, etc. Et franchement, je n'appréciais pas du tout cette matière. Voilà, on est... ça s'est très mal passé. Lorsque j'apprenais, j'avais toujours de mauvaises notes. C'est-à-dire que soit c'était « je ne raisonnais pas » ou soit c'était « non, manque d'apprentissage » ou voilà. Donc moi, j'aurais donné comme conseil justement, c'est de faire des travaux chez soi, ouvrir des livres, regarder comment les philosophes ont fait pour justement arriver à ce qu'ils ont fait maintenant. Ben, en fait, je ne peux pas vraiment donner mon opinion sur cette question parce que on ne peut pas trouver les mots pour expliquer ça, en fait. Et moi, ça a été un souvenir très, très traumatisant. Disons que je ne connaissais pas correctement les points importants à faire en dissertation. Et donc, du coup, j'ai eu une mauvaise note. Sur le coup, quand j'ai vu le sujet, j'ai eu peur. Et puis après, quand j'ai vu la note, je me suis dit, finalement, ça s'est bien passé à ce que je vois. Donc... Non, franchement, je pense que les profs de philosophie, ça va. J'avais 18 ans, c'était au lycée Maurice Ravel.
qui est située pas très loin de la Nation à Paris. Et je me souviens d'une atmosphère sérieuse, d'implication, enfin pour moi en tout cas, parce que le sujet m'intéressait beaucoup. La philo, ça avait été ma passion. L'année de philo, c'est l'année qui m'a réconcilié avec l'école. Donc voilà, donc c'était en tous les cas, le bac, les résultats du bac, c'était un moment un peu de transition, voilà, un moment d'épreuve, mais qui m'a permis après de continuer, d'aller en fac, etc. Un très bon souvenir pour moi, ça remonte à 1970, c'était à Cannes, et j'ai passé donc le bac, et je garde un bon souvenir de toute cette époque et de l'épreuve de philosophie, bien sûr, hein, pour le sujet, ça s'est plutôt bien passé. Dans le monde que nous vivons actuellement, on a l'obligation de toujours être philosophe pour vivre et pour survivre. Et les épreuves du bac professionnel ont débuté ce matin pour des milliers de jeunes au lycée régional agricole du Robert en Martinique. Ils étaient près de 90 élèves répartis en trois filières à plancher pour cet examen. Et pour bien commencer cette session, un petit déjeuner leur était offert. Une initiative de l'établissement qui a ravi les candidats. Reportage Louise Sabas d'ATV Martinique. L'éthique perfore la peau. J'ai répondu avec donc, ça. Donc, comme lui, il est hémophile et puis qu'il ne développe pas les protéines. J'ai dit, c'est parce qu'il peut saigner beaucoup et oui, avoir une infection. Après une matinée d'examen, l'heure est au débriefing en compagnie d'un professeur pour ses élèves du Terminal Bac Pro section service à la personne et au territoire. Des éclaircissements sur les différents énoncés qui rassurent certains candidats. J'ai pu répondre à certaines questions, aux réponses, donc je pense que je suis dans la bonne voie. Ça me met très en confiance pour la suite des examens. Je pense au final que je me suis quand même bien sorti. Je pense que voilà, que je suis confiant, je pense que j'ai eu quand même une assez bonne note, minimum 10. Donc j'espère que je mets 10 et au moins voir 18, c'est ce qui est l'idéal. Et pour aider à cette réussite, l'établissement a organisé un petit déjeuner d'avant-examen. J'avais aussi des petites serviettes. Fruits, laitage et viennoiseries. Un apport en énergie qui aura permis au cerveau de bien fonctionner durant les 2h30 d'épreuves techniques. Ça nous a permis de nous nourrir ce matin parce qu'il y a certains élèves qui ne prennent pas le petit déjeuner le matin avant de partir de chez eux. Moi, ça nous a boosté, on n'était pas sans manger. Un petit déjeuner convivial avec tous les autres élèves de l'établissement. Quoi de bon pour commencer un bon examen. Plus d'une soixantaine de candidats ont pu profiter de ce petit déjeuner, une mesure destinée à faire diminuer le stress des élèves et ainsi avoir plus de réussite au bac professionnel. Cela dans un établissement qui obtient déjà de bons résultats. L'année dernière, par rapport au bac pro, nous avons eu 93% de réussite, soit 6 points de plus que la moyenne nationale. Donc en fait, c'est de bon augure pour cette année, on espère monter encore, avoir un petit peu plus que 93%. Donc, de manière générale, les résultats sont plutôt bons. Service à la personne et au territoire, technicien conseiller en alimentation, aménagement paysager et bio-industrie de transformation. Demain, dans cet établissement, les élèves de ces quatre filières plongeront à nouveau, cette fois pour les épreuves générales comme les maths, l'histoire ou le français. Il existe en Guadeloupe un établissement pour les enfants précoces, l'école du succès à Fouché-Sainte-Anne pour aider les parents. L'établissement envisage de créer une école qui leur est dédiée. Christophe Labrousse, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur du collège Dominique Savio. C'est un établissement qui reçoit également des enfants dits précoces. Voilà, des enfants précoces en métropole. Donc, établissement qui va fêter ses 20 ans la semaine prochaine. Et il y a 10 ans, j'avais créé une école des parents. Et c'est vrai qu'elle fonctionne toujours très bien. Et à la demande de Mylène Lamy, donc la directrice de l'école du succès, que j'ai soutenue dans la mise en place de l'école, parce que c'est vrai que Mylène est une fine pédagogue et elle s'est lancée dans un projet, dans une aventure assez extravagante et très intéressante. Eh bien, elle va fêter un an. Et elle m'a dit que ce serait peut-être bien de créer une école de parents parce que les parents sont vraiment en forte demande. Alors, avant de créer cette école, il y a d'abord un colloque qui a commencé aujourd'hui et qui se poursuit demain. Oui. Sur la thématique « L'école des parents, une clé pour mieux comprendre vos enfants ». Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement l'objectif de ce projet éducatif? Sur quoi repose-t-il? Il repose sur le fait que les parents ont besoin d'être aidés aujourd'hui. Moi, je suis maire d'une commune. Il y a un an et demi, en participant au Congrès des maires de France à Paris, le sujet était le suivant, la société en pleine mutation. Et je ne m'étais pas rendu compte de l'impact de cette société qui était en train de changer. Et en effet, depuis un an et demi, la société est en train d'évoluer de façon exponentielle. Et les enfants, du coup, face à la technologie, face à toute cette avancée de l'informatique, eh bien, se trouvent aujourd'hui un peu perdus. Et encore plus, les parents.
Donc il est important, les parents aujourd'hui voient leurs enfants prendre leur envol plus rapidement qu'avant, voient les enfants manquer de repères, et du coup les parents manquent de repères aussi, parce que nous ne sommes pas nés, nous, forcément avec la technologie, ou avec une technologie, mais qui n'est pas celle d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la rapidité de l'information. Après, les parents se trouvant dépourvus, ont besoin de retrouver des repères éducatifs. Et les enfants également sont en forte demande. Nos jeunes, aujourd'hui, ne vont pas bien. Les résultats scolaires sont en train de se casser la figure. Les gosses sont de plus en plus violents, en veulent à l'école, parce que l'école ne leur apporte plus les solutions, leurs attentes. Donc, à nous, éducateurs, à nous, pédagogue, j'irai chevronner, moi ça fait 20 ans que j'ai créé cette école pour enfants 10, pour enfants en difficulté, eh bien, de trouver des solutions pour les parents. Et les solutions, il y en a. Alors ce colloque de 2 jours accueille, a accueilli aujourd'hui le président, par exemple, des enfants à potentiel intellectuel élevé. Il y a également eu une psychologue qui est venue parler des 10, donc la présidente de l'association 10 de Guadeloupe. Demain, il y aura un sociologue, un inspecteur d'éducation nationale, pour dire, voilà, aujourd'hui, il y a un problème, la jeunesse est en danger, les parents, du coup, sont par ricochet en danger, et on peut leur apporter des solutions, et les solutions, elles existent. Et qu'est-ce que vous apprenez aux parents, justement ? Eh bien, leur rôle de parents. Retrouver leur place. Aujourd'hui, le schéma familial a complètement explosé, beaucoup de familles monoparentales. Eh bien, il faut expliquer aux parents quel est leur rôle. Aujourd'hui, la maman, si elle se retrouve seule, quelles sont les missions qui lui incombent. Il faut qu'elle s'appuie sur une autre personne parce qu'elle ne peut pas jouer le rôle du père. Un enfant a besoin d'une femme et d'un homme. Ça, c'est l'équilibre. Donc, à partir de là, eh bien, on leur apporte plein d'éléments de réponse. Vous avez d'ailleurs expérimenté cette école, mais comment fonctionne-t-elle ? Donc, comment fonctionnera cette école en Guadeloupe ? Alors, en Guadeloupe, ce sont les parents qui vont décider de la fréquence des entretiens, de la fréquence des rendez-vous. Ça va être une association loi 1901 avec un bureau. Et nous, par exemple, en France, bon, j'accueille les parents une fois par trimestre. Mais la nécessité, pour moi, va être de les accueillir plus régulièrement parce qu'ils sont en forte demande. Donc peut-être une fois le dernier samedi du mois, j'en sais rien, les faire venir pendant 2 heures ou 3 heures et en leur demandant des thèmes bien précis. Qu'est-ce qui leur pose problème aujourd'hui en juin 2016 ? Voilà. Et à nous, pédagogues, d'apporter des éléments de réponse, de faire venir des tierces personnes justement pour les épauler. On l'a dit tout à l'heure, hein, vous êtes le directeur du collège Dominique Savio. Oui. C'est une école qui n'est pas comme les autres. Est-ce que non, vous pouvez nous en parler ? Tout à fait, c'est une école. Alors moi, j'étais prof dans l'éducation nationale à Royan. Et puis, j'ai décidé de partir. Alors, je pensais être fait. J'étais dans le moule. J'étais un élève très sérieux, machin. Enfin bon, tout ce qu'il fallait, que les profs adoraient. Sauf que ben, je me suis rendu compte du manque de respect de certains professeurs à l'égard des élèves. Et pour moi, c'était inadmissible. La salle des profs était un repoussoir et les conseils de classe, c'était pas bon. Donc, j'ai un jour décidé de partir. Et puis, j'aidais à Royan déjà des enfants en difficulté scolaire. Et puis, suite à plusieurs stages que j'ai suivis à la Sorbonne, plusieurs cours, je me suis dit, il faut que je crée une école avec une pédagogie qui va s'adapter aux enfants qui ne rentrent pas dans le moule. Et l'objectif, c'est un tremplin. Je parle toujours avec des images. Le tremplin, les enfants sont à Savio. Je leur donne tous les outils en fonction de leur personnalité, en fonction de leur talent, en fonction de leurs lacunes, pour qu'ils réintègrent le cursus éducation nationale et qu'ils soient fin prêts. Comment créer justement, j'ai envie de dire, un cursus adapté comme ça à chaque enfant ? Alors, il faut avoir une petite unité. Moi, mon collège, c'est 35 élèves. Donc, on les connaît par cœur, parce que les gamins qui arrivent chez nous sont des gamins en rupture scolaire, qui ont un lourd passé, mine de rien. Quand ils arrivent justement en troisième, parce qu'il y a l'épreuve du brevet des collèges, on doit rattraper toutes les années antérieures, et on n'a que 10 mois. Donc, c'est un vrai challenge. Donc, il faut vraiment que nous ayons peu d'élèves pour que nous puissions bien nous en occuper. Que deviennent ces enfants après l'école ? Ils réintègrent le cursus éducation nationale, ils passent en seconde générale, ou ils quittent Savio, ils peuvent arriver en cinquième, à la fin de cinquième, partir dans le public pour faire une quatrième. Voilà. Finalement, qu'est-ce qui manque à ces enfants pour suivre une scolarité normale ? L'écoute, tout simplement. L'écoute, qu'on s'occupe d'eux, voilà, et qu'on ne les juge pas. Christophe Labou, je rappelle que ces ateliers sont ouverts à tous. Hein, ah oui, aux parents, oui, oui, venez nombreux, au contraire, c'est très intéressant. Demain, oui. À l'école du succès à Fouché-Sainte-Anne. Rappelez-nous un petit peu ce qu'il y aura comme contenu.
Alors demain, il y a un sociologue qui sera présent, qui va parler du métier de parent, c'est difficile, et l'évolution de la famille aujourd'hui. Il y a un inspecteur de l'éducation nationale qui sera également présent. J'interviens aussi. Il y a des conférences, des tables rondes, et puis on répond à toutes les questions. Christophe voilà. Lapousse, merci d'avoir répondu c'est à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Il y a une mesure qui fait polémique en ce moment en France pour encourager les jeunes ayant quitté le système scolaire sans qualification. Oui. Le Conseil supérieur de l'éducation a adopté un décret qui prévoit le versement d'une prime de 600 euros aux jeunes boursiers qui accepteront de reprendre le chemin de l'école. On regarde le reportage de Karen Ziama. À la rentrée 2016, le gouvernement lancera la prime des décrocheurs de 600 euros pour tout élève de 16 à 18 ans qui reprendrait leurs études après une interruption de minimum 5 mois. Ça va inciter l'enfant à retourner à l'école. Et comme vous savez que les conjonctures sont très difficiles, et puis bon, je pense que l'enfant peut-être va saisir cette deuxième chance et saisir l'opportunité. Pour moi, c'est une très bonne chose. C'est une bonne chose pour pouvoir les motiver, pour les permettre aussi à mieux évoluer, à voir l'avenir autrement aussi, à les permettre d'être plus matures et à ouvrir leur intelligence aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui sont dans la rue et qui ne sont pas aussi motivés pour l'école. Je pense que c'est un moyen d'encourager les jeunes parce que, voilà quoi, ils se sentent délaissés. C'est une façon de permettre d'avancer et d'aller plus loin. Je pense que cette réforme, si elle est mise en vigueur, elle serait super parce que je connais beaucoup de jeunes à Capesterre qui n'ont pas eu la chance de continuer leurs études et tout. Et bien moi, franchement, si moi j'étais à leur place, j'aurais bien aimé mettre en place et l'avoir aussi. On peut comprendre le problème des jeunes, c'est pas toujours évident. Et que aussi les mamans, surtout les mamans, parce que les études ça coûte très cher. Bien accueillis par une partie de la population, ces 600 euros versés en trois trimestres, en plus des dossiers d'aide sociale d'environ 400 euros, suscitent tout de même une certaine controverse. Si on leur a donné quelque chose, on leur a donné l'argent, c'est pas pour en profiter, pour continuer leurs études ou bien ce qu'ils ont demandé, leur projet à eux, pas pour en profiter. Et c'est vrai qu'il faut quand même que les jeunes prennent conscience aussi qu'il y en a quand même qui vivent au seuil de la pauvreté et qui en ont beaucoup, surtout les retraités aussi, hein. Parce que bon, je suis à la retraite, ça fait 13 ans, je n'ai jamais été augmentée. Je vis avec ce que je touche. Je trouve que c'est un commerce d'argent, qu'il y a des parents qui envoient leurs enfants à l'école et qu'eux-mêmes ont besoin de cet argent-là ça pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc je pense que j'aurais dû faire le contraire, donner aux enfants qui vont à l'école régulièrement cet argent pour aider les parents à subvenir aux besoins de leurs enfants. Au total, 12 500 primes bourses de 1 000 euros seront créées à la rentrée 2016. Coût de la mesure, 12,5 millions d'euros. Une dépense qui fait débat. Dans le reste de l'actualité, les négociations à Capesterre-Belle-Eau avancent à pas de tortue. Les syndicats ont signé cet après-midi le second accord sur les 13 points de revendication. Des négociations qui avancent donc lentement. Le point avec Nestor Favel, secrétaire général de l'UTC-UGTG. Il est interrogé par Karen Diamant. Nous serons à penser que nous avons les moyens pour nous déjà vrai. Les points qui restent ici, nous arrivons à bout, puisque c'est vrai que à partir du moment où nous commençons la négociation, les deux parties présents, mais c'est là présent, pas une question qu'elle nous parle à bout d'un jour. Nous avons pensé les points qui ont menti, enfin en tout cas les points qu'elle nous voulait discuter ici immédiatement, d'autres certainement propositions à faire. Et après, avant-hier, on pas pensé que l'autorité était préparée, était fait une proposition. Donc c'est peut-être pour ça que nous dirait plus de 20, 24 heures, enfin 19 heures ou 20 heures de négociation. Mais là, on a pensé quand même qu'il y a une des préparations, une des propositions à faire. Et quand il y a des propositions, bon, c'est des contre-propositions qui amènent les débats là et après ça caille beaucoup plus vite. La Croix-Rouge et l'Agence régionale de santé ont mis en place un bus dépistage santé. Celui-ci sillonnera les villes de la Guadeloupe pour informer les populations, en particulier celles qui sont éloignées des dispositifs de soins. Reportage Karen Diama. S'il y a une problématique, j'oriente soit sur les assistantes sociales du CCS, de la Sécu, de la CAF, etc. Et ensuite, je balance sur la collègue qui fait le dépistage, donc côté infirmière. Assistante de service social, cette jeune femme fait partie de la grande équipe de la Croix-Rouge qui sillonne la Guadeloupe à bord du bus de dépistage santé. L'idée est justement de permettre aux personnes qui sont socialement ou géographiquement éloignées du système de santé de se rapprocher d'eux, justement. Donc pour cela, on vient en pratique des dépistages et on essaye de réaliser, de faciliter ces dépistages
pour que ces derniers puissent justement avoir accès aux soins. Nous avons dans ce bus donc une assistante sociale et une infirmière qui sont présentes. Donc l'infirmière va s'occuper de toute la partie qui est médicalisée et l'assistante sociale de tout ce qui est ouverture de droits. Avec 14 communes visitées depuis janvier 2016, le bus de dépistage santé répond à un constat plutôt alarmant. Il y a de plus en plus d'inégalités d'accès aux soins sociaux sur tous les territoires. Ce n'est pas qu'une spécificité guadeloupéenne, je dirais. Toutes les populations en exclusion ont des difficultés d'accès aux soins. Et c'est d'autant plus prégnant qu'ici, les maladies chroniques sont assez importantes sur la population, que ce soit le diabète, que ce soit l'obésité, etc. Donc il est très important de pouvoir avoir ce bus. Et puis, c'est aussi pouvoir ouvrir leurs droits à la santé. C'est la carte vitale, c'est tout un tas de parcours. Et puis, de pouvoir aussi redémarrer tout ce qui est le réseau santé-ville, c'est-à-dire leur dire qu'il faut aller voir votre médecin traitant, votre pharmacien, etc. Des personnes vulnérables, du point de vue social, qu'il est simple de répertorier pour la Croix-Rouge, du fait de la largesse de son champ d'activité. De par toutes nos activités sociales, que ce soit le CARUD, le centre d'accueil de réduction des risques des usagers de drogue, que ce soit l'épicerie sociale itinérante, que ce soit l'équipe mobile d'intervention sociale, on a quand même une connaissance du territoire guadeloupéen qui nous permet d'aller dans les quartiers, d'aller au plus près des gens. Et on a des professionnels qui connaissent ces gens-là, pour avoir été de ces gens-là, pour les côtoyer, pour leur côté d'humilité d'aller vers eux, qui fait que le contact se fait. Avec 309 personnes déjà dépistées depuis le début de l'année, le bus de dépistage santé de la Croix-Rouge semble répondre à tous ces objectifs. Restez avec nous dans un instant, un gros plan sur un artisan guadeloupéen qui fabrique des lunettes inspirées de la culture guadeloupéenne. Et puis nous irons en Guyane où se sont affrontées les tigresses haïtiennes et la sélection guyanaise. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais sans le savoir, vous portez probablement ses créations. Patrick Riffaut fabrique depuis plus de 20 ans des lunettes. Il a décidé de porter un nouveau regard sur ses lunettes, plus particulièrement sur les montures. Son objectif, oser la créativité. On regarde le reportage de Linda Kayarsi. Une lunette design, innovante, originale, voilà ce que propose cet opticien lunetier. J'ai un tout petit magasin qui n'est pas spécialement bien placé, donc il fallait se démarquer par certains produits. Bon, les produits se démarquaient, il fallait trouver des choses un petit peu originales. On estime qu'à peu près sur 100 personnes, il y a 80 qui aiment des choses classiques. La lunette basique, noire, etc. Et puis, il y a 20% de gens qui veulent des choses originales. Alors, donc, on préfère se baser sur ces 20%-là. Voilà, c'est ma préférée. Pourquoi c'est votre préférée? Ben, j'aime bien la couleur, j'aime bien ce genre de choses. Et puis, c'est très classe. Une personne qui porte ça, c'est classe, c'est du beau. Voilà, je l'aime bien. C'est une question de goût, mais j'adore celle-ci. Voilà, puis côté doré, côté... Les femmes ne portent plus de bijoux, malheureusement, maintenant. Et on retrouve le bijou sur le nez. Des montures plastiques, en inox ou encore plaquées or à 24 carats. Un véritable travail d'orfèvre réalisé dans la boutique de Patrick Riffaut. Toutes nos pièces sont vissées. C'est-à-dire que s'il y a un problème d'ajustage, quoi que ce soit, nous dévissons la pièce. On la remet en atelier, on reforme la pièce et on la rajuste et on revisse dessus. Donc une pièce qui casse, ça ne casse pratiquement jamais, l'inox est extrêmement solide, extrêmement fiable. Une pièce qui casse, elle est remplacée immédiatement. Il faut 2 heures pour dessiner, 2-3 heures pour dessiner la lunette. Un prototype, c'est 3 heures de travail, au minimum quand tout va bien. Donc c'est quand même 6 à 7 à 8 heures de travail pour faire la première lunette. Après la deuxième, une fois qu'on a fait le patron, c'est quand même beaucoup plus facile. Généralement, on travaille par une douzaine de lunettes. Des séries moyennes, c'est une douzaine de lunettes. Mais comme on en vend un petit peu ailleurs dans le monde, quelquefois on peut aller jusqu'à 50, 60 lunettes. Des montures de grande qualité qui séduisent sa clientèle. Ici, pas moins de 14 tailles différentes et une infinité de formes de verre sur 130 modèles de branches. Notre critère, c'est le choix. Si on propose de bons produits, la clientèle sera fidélisée. Si on propose un mauvais produit, trop cher, etc., le client il va nous dire au revoir. Il va nous dire bon, au revoir, on le verra plus. Voilà. Donc notre but à nous, c'est de proposer le bon produit. Du moment où on va proposer au client un bon produit à un prix très raisonnable et puis qui plaise un petit peu à son entourage, la fidélisation se fait automatiquement. On parle même pas argent dans ces cas-là. Avec les années, Patrick Riffaut a su faire de ses montures de véritables bijoux, des yeux, pour oser
l'originalité. Le Salon international d'artistes de la Guadeloupe, plus connu sous le nom de la Poule Art Fair, ouvrira ses portes au public ce vendredi 17 juin au terminal de croisière de Pointe-à-Pitre. Trois jours où l'art sera roi. Thierry Allette, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes artiste et également le fondateur de cet événement. Pouvez-vous d'abord revenir sur les origines de cette manifestation? Je crois que l'idée vous est venue en 2004, après la création de l'Association des Frères Indépendants. Est-ce qu'on peut revenir un peu dessus, aux origines? Oui, en fait, ça m'a pris, dans une certaine mesure, à New York, parce qu'il y a une tradition en France, pas tellement ici naturellement, mais en France, de salon d'artistes. Ça commence avec Courbet, le Salon des Indépendants. Et quand je suis arrivé à New York pour faire mes études, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de salon d'artistes. Et donc, il y avait une sorte de vide pour les artistes qui n'étaient pas représentés par des galeries. Et donc, bon, j'ai fait mes études, j'ai fait d'autres choses. Et puis un jour, donc j'ai créé ce salon, un peu inspiré par Courbet et compagnie. Donc, c'est un peu une tradition française, à vrai dire. Et donc, on a été le premier salon d'artistes des États-Unis en 2004, Poole Art Fair. On a fait autre chose aussi, et puis j'ai toujours été actif entre New York, la Guadeloupe, la Martinique. Je ne suis jamais parti pendant très longtemps, et naturellement, je me suis dit bon, on va créer le salon en Guadeloupe. Alors, on a eu des éditions à New York, Miami, Martinique, et ici, et donc là, cette semaine ouvre la 7e édition. Alors cette année, vous avez invité de nombreux artistes, 80. Dont un connu à l'international, le célèbre artiste britannique Banksy. Comment cela s'est-il passé? Comment vous avez réussi à avoir Banksy pour la Poule Art Fair? Avoir Banksy, c'est... Il y a plusieurs façons d'avoir Banksy. Hein. Alors, comment nous l'aurons en Guadeloupe? Ah, ben, faudra venir voir le salon. Mais en tout cas, c'est sûr que notre projet n'est pas vraiment, ne va pas vraiment dans le sens de lever le doute ni de lever le mystère, plutôt de l'épaissir. Mais à travers Banksy, en fait, on veut aussi inviter et reconnaître le travail de l'ensemble des artistes. D'une part, des artistes de ce qu'on appelle le street art, donc les artistes de rue, mm-hmm. mais aussi des artistes qui sont des artistes politiquement impliqués et engagés. Et donc, en particulier, l'œuvre qu'on a choisie de Banksy, c'est cette petite fille, Kim, qui a été victime des bombardements américains au Vietnam et qui se retrouve entre McDonald's et Mickey Mouse. Et donc, c'est une critique de l'impérialisme américain. Et on a trouvé que ce n'était pas trop loin non plus. En fait, le rapport entre l'impérialisme et le colonialisme n'était pas tellement loin et que peut-être c'était une façon de voir les choses et en tout cas d'emmener ce débat différemment. Donc voilà, donc notre invité, c'est Banksy. Et on veut aussi faire un clin d'œil à aussi tous les street artistes qu'on a aussi ici en Guadeloupe. Je pense à Stick, à Misère, à Jérôme Jean-Charles. On a un artiste guadeloupéen aussi du street art qui vient, c'est Shock One, qui est un artiste qui a, ben, il a une pièce dans la collection permanente du Memorial Act. Et donc voilà, c'est une petite fête comme ça. Quelle est l'ambition de la Poule Art Fair? Finalement, c'est aussi d'éveiller les consciences? Ah, oui, d'éveiller les consciences, mais pourquoi faire? Et non, nous, notre ambition, enfin, l'ambition générale de Frères Indépendants, c'est vraiment de participer au développement de l'art contemporain en Guadeloupe. Et pas que pour les Guadeloupéens, pas que pour les artistes guadeloupéens, vraiment pour tout le monde. Et en fait, le salon est vraiment l'outil le plus efficace. En fait, quand vous parliez de 80 artistes, c'est ce qu'on a mis dans le dossier de presse, parce que c'est ce qu'on espérait. Et en réalité, on est à plus d'une centaine d'artistes qui viennent de partout, de Martinique, je pense à Robert Manscourt qui vient pour la troisième ou la quatrième fois, de Vancouver, de Paris, de Miami. On a aussi une série de conférences. Vraiment voilà, quels sont les thèmes, les problématiques abordées? Alors, je pense que c'est... Maintenant, j'ai trouvé que c'était intéressant de parler vraiment de l'art contemporain, en fait, de la place de l'art contemporain caribéen et aussi antillais sur la scène internationale. Et donc, j'ai voulu que le cycle de conférences fasse un petit peu le point sur tout ça. Donc, par exemple, on a invité Georges Brédan, qui est le nouveau président de la commission culture à la région Guadeloupe. Et donc, en lui demandant de nous faire part de sa politique culturelle pour la Guadeloupe, comment il voit le développement culturel. Donc, il sera avec nous. Mais on a aussi fait venir Cathy Alliou, qui est la directrice de la programmation de l'École nationale des beaux-arts de Paris,
Donc il viendra et qui aura une conversation avec trois artistes. Quelques artistes locaux ont été propulsés au devant de la scène. Je pense à Michel Rovellas, Richard Victor Saint-Cilly. Mais qu'en est-il des autres? Est-ce que les artistes antillais arrivent à exister sur ce marché international? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce que vous venez de citer, ce ne sont pas ceux qui brillent le plus sur le plan international, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, on peut parler plus de Kelly Sinapamari, par exemple, qui a aussi exposé à la Pollard Fair. On peut parler de Ronald Cyril. Bon, moi, j'expose beaucoup. Shukwan, Stick. Alors, Stick, c'est intéressant parce que Stick est champion du monde de body painting. Mais il a été champion du monde très peu de temps. Mais ça fait partie des artistes. Mais ce qui est aussi, au-delà de ça, ce qui est intéressant, qui est vraiment fabuleux, c'est la qualité et la quantité d'artistes qu'il y a ici. C'est incroyable. En fait, nous, on a plus de 350 artistes répertoriés dans nos fichiers, juste en Guadeloupe. Et ce sont des artistes de très, très grande qualité qui viennent de partout. Et je crois que c'est vraiment un vivier important, une richesse. C'est une richesse au-delà de la Guadeloupe même. Je pense même que c'est presque quelque chose de stratégiquement intéressant pour la France qui pourrait utiliser, enfin qui pourrait profiter de l'ouverture qu'il y a sur la scène internationale pour l'art caribéen et utiliser les artistes guadeloupéens et martiniquais pour être présents dans cette ouverture. Parce qu'en fait, il se passe beaucoup, beaucoup de choses pour la Caraïbe. Et c'est ce qu'on voulait montrer aussi avec les conférences. Par exemple, Omar Chaoud Lopez, qui est directeur artistique de Untitled, c'est une des plus grosses foires de Miami, et bien, il vient justement présenter l'art caribéen. Thierry Allais, est-ce qu'on arrive à vivre? Est-ce que les artistes guadeloupéens, antillais en général, arrivent à vivre dans cet art? La question, oui et non. Ça dépend comment. Mais la réponse, c'est oui. C'est peut-être difficilement, mais la difficulté n'est pas toujours ce qu'on pense. C'est plus facile de partir à l'étranger et de gagner bien sa vie, au final? C'est pas comme ça. C'est-à-dire que, en fait, la question, c'est vraiment pas seulement de gagner sa vie, la question, c'est aussi de pouvoir grandir autant par rapport à ses œuvres, c'est-à-dire sa propre renommée. Et s'établir aussi personnellement en tant qu'artiste, mais aussi que les œuvres atteignent des prix de plus en plus importants. Et le problème vraiment qu'on a ici, c'est qu'à partir d'un certain montant, les œuvres trouvent de moins en moins d'acquéreurs. C'est-à-dire que si vous voulez vendre une œuvre 8 000 euros, 10 000, 15 000, 20 000 euros, eh bien vous allez toucher une partie de plus en plus petite de la population, ce qui fait que si vous voulez continuer à monter, vous êtes obligé d'aller chercher plus loin. Le problème souvent des artistes d'ici, c'est qu'ils arrivent à un certain niveau et quand ils arrivent sur la scène internationale, ils sont trop hauts par rapport à ce qui se pratique. Donc on a un petit rôle à jouer de façon à rebalancer en fait le marché. Donc je rappelle, la poule Art Fair commence ce week-end pendant 3 jours, les 17, 18 et 19. Merci Thierry Allais d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que vous aimez le football ? J'adore le football, surtout pendant la Coupe du Monde. Alors, 130 jeunes Guadeloupéens se sont envolés ce soir pour l'Euro 2016 grâce à l'opération Tous Prêts, financée par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Ils font partie des milliers de chanceux qui assisteront à la rencontre Roumanie-Suisse au Parc des Princes. On regarde le reportage d'Isabelle Amou et de Moïse Dexter. Ils étaient 130 jeunes à s'envoler cet après-midi, direction Paris, pour assister à l'un des matchs de l'Euro, où s'affronteront la Roumanie et la Suisse au Parc des Princes ce mercredi. Un voyage qui ravit plus d'un. J'attendais ça parce que aussi c'est la première fois que je vais en France et pour regarder un match de football. Comme c'est la première fois, donc ce sera un beau voyage et pour regarder du match de football. J'espère qu'ils seront intéressés et les matchs de handball aussi. C'est l'Euro, c'est la première fois que j'y vais. Je vais voir comment ça se passe au stade de Paris. L'idée de l'opération Tous Prêts s'inscrit dans une démarche éducative permettant de rassembler des jeunes par le biais du sport en leur inculquant des valeurs. Derrière cet Euro 2016, le président de la République a souhaité que toute la France soit présente sous la forme d'animation et donc la Guadeloupe ne pouvait pas rester en marge de cet événement. Donc le ministère des Outre-mer a contribué à faire partie ces jeunes en offrant les billets d'avion, la DGSCS a payé l'hébergement,
et le ministère des Sports a donné les billets. Donc c'est vraiment un partenariat élargi. L'idée étant de dire à nos jeunes, écoutez, en dépit des difficultés qu'il y existe aujourd'hui dans notre pays, il y a des moments festifs où il est nécessaire de se rassembler. Et donc c'est ça l'objectif. Alors le prêt, c'est plaisir, respect, engagement, solidarité. Et donc ce sont les grandes valeurs que revêt cette opération Tous Prêts. C'est autour de ces grandes valeurs que sont le plaisir, le respect, la solidarité, l'engagement, qu'on souhaite qu'il y ait une émulation. Et donc, quand je disais à nos jeunes tout à l'heure, racontez-nous votre euro, ça veut dire qu'ils auront à nous faire passer tous ces moments de plaisir qu'ils auront eus, tous ces moments d'engagement, au travers de photos, au travers d'écrits, et je l'espère pouvoir récompenser les meilleurs. Le séjour sera court, les jeunes pourront aussi découvrir quelques lieux de la capitale, avant un retour au pays, vendredi. Football, toujours, les Tigresses d'Haïti se sont imposées face à la sélection guyanaise. 6-1 sur la pelouse du stade Georges Chaumet en Guyane hier soir. Plus de 2000 supporters étaient venus soutenir les deux sélections. On regarde le reportage de Jonathan Lariot d'ATV Guyane. La fierté de porter ce drapeau se lit sur le visage de cet homme. La communauté haïtienne de Guyane a célébré hier la victoire de leur équipe féminine contre la sélection de Guyane. Une victoire aux allures de leçon donnée par les Tigresses d'Haïti aux joueuses guyanaises. 6-1. Je suis très fier, j'ai vu là, mon drapeau dans ma tête. C'est bon, hein. Le niveau est bien, mais on voit que l'équipe de Haïti est légèrement plus forte. Franchement, je me sens très fier et très ému. Vous voyez bien, j'ai plus de voix. Bon, pour moi, c'est bon, bon, elles ont mérité une bonne victoire quand même. C'est belle bagaille pour Haïti qui a marché pour la soupe. C'est belle bagaille pour toi, ça applaudisse, Dès le début, les Tigresses montrent leur supériorité. La Guyane peine à garder le ballon. Les actions se multiplient contre les buts guyanais jusqu'à la 30e minute où les Haïtiennes percent la défense guyanaise et marquent un but. A partir de là, le match, déjà à sens unique, devient une véritable démonstration de la part des Tigresses. Elles enchaînent 5 autres buts, et même si les Guyanaises réussissent à sauver l'honneur avec un but dans les dernières minutes, le résultat reste sans appel. L'apprentissage est difficile, on le savait en début puisqu'on est en pleine reconstruction, développement du football féminin, et voilà, après elles ne se sont pas découragées, sauver la marque à la dernière minute, je pense, récompense leurs efforts, parce qu'on a eu quelques occasions qu'on aurait pu concrétiser, ça n'a pas été fait, mais pour tout ce qu'elles font depuis un mois à l'entraînement, c'est bien d'avoir marqué. Après, il y a beaucoup de travail, elles s'en sont rendues compte. Eh ben, on est là pour progresser, c'est ce qu'on va faire. Guyane a besoin de travail beaucoup plus, parce que nous-mêmes, c'est objectif, nous, c'est travail, tout le temps sur le terrain, et puis pour arriver là. Un match avec un résultat conséquent, mais les joueuses guyanaises ont eu fort à faire avec un adversaire, cette fois-ci pas présent sur le terrain. Lors de cette rencontre, le public, en grande majorité haïtien, encourageait vivement leur équipe, et les Guyanais, de leur côté, ont joué la carte de la timidité. Depuis le début, c'était, on va dire, elle les favoris, mais dans nos têtes, on voulait jouer. Il manque juste la préparation et puis on va à Belém, on va essayer de mieux faire. Et puis le prochain match amical qu'on va jouer ici, on espère avoir un public guyanais, parce que là, c'est, on va dire, ça ne change pas, mais quand on a le supporter à nos côtés, donc ça fait un jeu en plus. Même si la rencontre n'était qu'amicale, la conclusion est sans appel. La Guyane est loin d'être à niveau. Et c'est l'heure des informations pratiques. L'opération révise-examen de la bibliothèque de Bemao Paul Madeau aménage ses horaires jusqu'à samedi afin de permettre à tous ceux qui le souhaitent de préparer leurs examens dans de bonnes conditions. Et le club sportif Bouillantais également soutient les futurs bacheliers. Il met en place à titre gratuit des sessions de préparation aux épreuves scientifiques du brevet des collèges et du baccalauréat. Et puis il y aura des coupures d'électricité demain à Mornalou, à la Désirade, Sainte-Rose et Capesterre-Belleau, essentiellement dans la matinée. Et enfin, demain sera la journée mondiale des donneurs de sang. Si vous voulez donner un peu de votre sang, rendez-vous sur le boulevard de l'hôpital de 8h à 16h, le boulevard de l'hôpital de Pointe-à-Pitre. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres. À tout à l'heure.